Le devoir d'impartialité a-t-on été décrié chez les médias gabonais par les téléspectateurs? Le défi pour les rédactions en cette période cruciale est donc d'assurer une couverture équilibrée, objective, ouverte, sans céder à la tentation de favoriser un camp au détriment d'un autre. J'ai reçu l'ébauche de constitution avant-hier, mais tellement le travail, je suis occupé par le travail. Peut-être ce soir, je vais essayer de regarder ça pour pouvoir déjà avoir ma position, si je vais voter le oui ou le non. Maintenant, d'autre part, ce que je demande aux médias, c'est d'être neutre. Il faut être neutre, c'est-à-dire, peu importe tout ce qui va se passer, il ne faut pas avoir un côté penchant. Il s'agit donc pour les journalistes de mettre les bouchées doubles pour ne pas tomber dans les travers maintes fois décriés au regard de l'enjeu. Sensibiliser, c'est d'abord dire à tous nos lecteurs, à tous aux Gabonais, ce qui c'est d'abord qu'un référendum. Il faut prendre une position. On vous soumet un texte, une question, pour ou contre, vous devez répondre par oui ou non. Les populations attendent que les médias transmettent les informations telles que reçues, les analyses au fond et mettent à leur disposition les contenus vérifiés et exacts. Parce qu'il faut surtout éviter qu'il y ait de confusion, n'est-ce pas, dans l'analyse, dans la façon pour les compatriotes de recevoir des informations, surtout lorsqu'elles sont diffusées sur des canaux de communication. Le challenge est grand pour les médias qui devront adopter des stratégies pour parvenir à vulgariser le projet de nouvelle constitution qui sera soumis au vote le 16 novembre prochain.